Ouais, on va sûrement partir. Ouais, non, moi j'étais disponible, j'ai dit à ma femme, je vais l'appeler. Et puis après, elle m'a dit non, j'ai vu aux infos qu'il y a le salon de l'agriculture, donc ils doivent y être. Ah. Ils ont chopé la bique. Ils ont chopé l'épée de la bique. Non, mais il travaille bien. Et là, il a compris comment ça marchait. C'est ce que j'allais dire, il manque plus de trouver quelque chose. Mais tout à l'heure, on va prendre les cailles, on ira peut-être, je sais pas, on ira peut-être au bord. De toute façon, je prends. Est-ce qu'elles sont souvent au même endroit, en fait ? Elles ont tout le temps un secteur. Et puis elles font des tours, quand vous la levez, elles font des tours, elles vous passent dans le dos et puis elles reviennent où elles étaient, ça a envolé. C'est très très malin. Je l'ai levé à deux endroits, 10 mètres d'intervalle. 10 mètres d'intervalle, c'est tout. Ce qui est bien, c'est que le chien, il le fait tout seul. À partir de là, on va commencer un peu à rentrer dans le bois par là, à droite. Par la droite ? Ouais. Laissez le faire, vous l'appellerez quand il aura terminé. On ne sait jamais si elle se déplace par là. Et là, vous prenez, vous rentrez dedans. Appelez-le, dites-le de se diriger bien là-bas. La dernière fois, j'ai élevé vers les buis. La première fois, c'était ici. La dernière fois, c'était vers les buis au fond. J'espère, je veux bien qu'il la lève. On va pas tout le long là. On va faire tout le long là. Allez là-bas. Bien, je vais faire. Ouais. Ouais, on ira le faire. On va le laisser travailler là. Et après, on l'amènera là-haut. On va faire pas en montrant sur le dessus. Hein. Faites un peu travailler là.
je veux dire. Vraiment? Alors, on va remonter sur